J'essaie de voir s'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire d'important. Je crois que c'était à peu près ça que je voulais poser. Je suis tout seul, du coup, il n'y avait pas de feedback de quelqu'un d'autre, mais ce que j'ai vu, ça me semble à peu près ok. Mais après, il y a plein d'endroits où je me dis, ah, ben là, je pourrais dire ça, si, ça, ça, mais bon, je vais pas refaire une autre vidéo pour développer, c'est pas non plus le but. Juste peut-être, juste quand même, peut-être ce truc, c'est par rapport à la mort, parce que j'ai pas beaucoup parlé de ça encore, mais je me souviens plus si dans le plan, c'est pas prévu que j'y revienne. En tout cas, c'est intéressant d'être tué, c'est intéressant ça. Le tue-tue, et je pense que. J'ai pas parlé non plus de l'ego encore du tout. J'ai pas du tout point de prononcer ce mot-là. Je sais pas si ça va sûrement revenir à un moment donné. Ce qui tue un petit peu justement cette part de moi qui sert à rien là, qui m'encombre. Alors l'ego, le petit chou comme me dit la cousine. L'ego, ça veut juste dire je, donc il n'y a pas forcément à essayer de se mettre en quatre, se couper en 12 pour se tuer soi-même. Alors par rapport à la question du suicide, c'est pareil, je l'ai abordé vraiment très très vite, et c'est une question sur laquelle je reviendrai, parce qu'elle me tient à cœur en fait. Dans mon expérience de vie, c'est quelque chose d'important. Peut-être que je reviendrai sur Vera, enfin en tout cas. Des fois, j'ai l'impression comme ça de prendre des trucs un peu à la légère, comme si ça reste très. Je simplifie beaucoup de choses, et je suis désolé de ça, et j'espère que voilà, enfin, que tu entends ce que je veux dire sans t'accrocher à quelque chose qui serait mal dit à un moment donné, parce qu'il y a forcément des tas de moments où c'est mal dit, où c'est. Shiva. Om Namah Shivaya, ça veut dire j'offre cette louange à Shiva, et Shiva c'est un grand dieu dans la religion hindouiste qui travaille en particulier sur cette question justement de tuer, de détruire, quoi, de faire de la place pour le nouveau, quoi, commencer un peu à mettre de l'espace. Donc tuer, c'est pas mal des fois. Se tuer soi-même, écraser un peu cette fausse identité que j'ai pu imaginer être, ces imaginaires de moi-même que les autres ont projetés sur moi. Et bon, ça suffit pour le feedback, c'était une après, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est vraiment toi.